Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance de pleine lune que j'ai bien envie d'intituler « J'ai demandé à mes guides ». Voilà, donc en fait, le tirage va consister à tirer une carte de ce magnifique oracle qui est l'oracle du peuple animal d'Arnoriou et de voir ce que vos guides veulent que vous sachiez. Ou ce qu'il vous conseille en tout cas par rapport à cette pleine lune et par rapport à un travail à faire sur soi. Un message en tout cas à faire passer. Voilà, alors j'ai choisi trois pierres. Hein. Bon, en même temps, je vais mélanger les cartes pour vous aider à faire votre choix. Donc je vais chaque fois tenir une pierre pour choisir une carte. Et on va voir l'animal qui va vous accompagner à travers le message de vos guides. Première pierre, c'est un cristal de roche. Alors, c'est trois pierres brutes que j'ai choisies. Donc, voilà le cristal de roche. Je le prends dans la main. Je me concentre sur le message des guides. Deuxième pierre, c'est un quartz rose. J'ai l'impression qu'on ne voit pas trop. Voilà, donc brut aussi. Troisième pierre, c'est la pierre que j'appelle pierre de la communauté. Je l'ai baptisée comme ça et je fais en même temps un gros bisou à ma soso. Voilà, alors je vais ranger les cartes et je vais peut-être baisser la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir. Bon, vous allez les voir à l'envers même. Voilà. Donc, cristal de roche, quartz rose et pierre de la communauté. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve de suite, hein, puisque je ne vais pas couper la vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Alors, je vais commencer avec le cristal de roche. Alors, vos guides, ils mettent sur votre chemin la carte du papillon. Le papillon, c'est une carte de la famille de la transformation. Donc voilà un petit peu le message qu'ils veulent vous faire passer. C'est un message empreint de métamorphose, de transformation, de légèreté aussi. Donc vos guides veulent peut-être que vous vous interrogiez sur le changement, sur la mutation que vous devez opérer ou que vous êtes en train d'opérer. Et si c'est le cas, si vous êtes en phase de transformation dans votre vie, ils veulent peut-être vous conseiller, enfin vous dire juste qu'ils sont là pour vous aider dans cette transformation. Alors, s'il n'y a pas encore de transformation, c'est plutôt un message pour vous dire, attention, il est temps de passer à autre chose, il est temps de changer, d'opérer un changement. Si vous êtes en phase de changement, c'est plus, on est là pour vous aider, pour t'aider dans ce changement. Ils peuvent aussi vous conseiller la patience, hein, puisque le papillon, c'est une longue évolution, hein, la chenille en papillon. Donc voilà, ils peuvent aussi conseiller d'être patient, de faire les choses par étapes, hein, et de ne pas justement brûler ces étapes. Voilà, alors ils peuvent aussi au niveau un petit peu plus spirituel vous conseiller de vous libérer de vieux schémas de pensée, de vieux concepts, de vieilles idées qui vous tirent vers le bas parce qu'il est temps que vous vous éleviez comme ce papillon, d'être plus léger. Alors le papillon, ça me fait penser à ça, en Grèce, on parle de psyché et la psyché c'est aussi l'âme. Alors c'est aussi le papillon et l'âme. Et c'est pour ça que on dit souvent que le papillon, c'est l'âme qui s'envole. Voilà, donc il y a une élévation,
Il y a une prise de conscience sur quelque chose, il y a une évolution spirituelle. Voilà, une ouverture en tout cas à quelque chose d'autre. Voilà, c'est peut-être aussi, vous êtes arrivé à un moment où vous avez touché vos limites et là, vous devez évoluer, passer à une nouvelle étape. Donc, soyez prêt à vous abandonner à ce que vous ne connaissez pas, à l'inconnu, à l'imprévu. Voilà. Donc, voilà les messages de vos guides hein, à travers ce papillon. Pour vous qui avez choisi le quartz rose, alors vos guides mettent sur votre chemin la carte du singe. Alors, le singe est une carte de la famille aussi, de la communication. On a le symbole ici. Donc, vos guides, à travers cette carte, ils vont vous donner l'autorisation. Voilà, c'est comme si on vous autorisait à être plus léger, à rire, à avoir de l'humour. C'est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque aussi. Voilà, donc ils viennent vous réveiller, ils viennent vous bousculer dans vos certitudes, dans vos pensées. Voilà, parce que tout ce qui est figé est déjà mort. Hein. Toutes nos certitudes, tout ce qui est sûr, qui est figé, c'est mort. La vie est mouvement. Voilà, donc faites entrer le rire, faites entrer la joie, car seuls les êtres qui rient et ont de l'humour ont accès aux véritables clés de la sagesse. Donc sachez rire. Sachez rire de vous aussi. L'autodérision est très importante. Et justement, elle vous élèvera, elle vous amènera à plus d'audace et à vous ouvrir à cette vérité, à cette sagesse. Voilà. Et puis le rire permet aussi de libérer beaucoup de tensions. Donc ne prenez pas les choses avec trop de gravité. Le singe est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. Et pourtant, l'homme, le dénigre un peu ce singe en lui faisant jouer un rôle d'imbécile un peu. Hein. On dit ne fais pas le singe, on dit voilà, parce que l'homme est plus évolué et donc il est plus sérieux. Mais justement, la sagesse, ce n'est pas être sérieux, c'est aussi savoir rire, avoir de l'humour et savoir rigoler de tout. Voilà. L'autodérision est très très importante. Donc le conseil, ne soyez pas dans la gravité des choses, dans le sérieux, en tout cas dans trop de sérieux. Autorisez-vous à rire, parce que peut-être aussi c'est vous qui ne vous autorisez pas à être joyeux, à être content. Eh bien en tout cas vos guides, ils vous disent, bon, mais maintenant, ris, sois heureuse ou heureux, ris, profite, amuse-toi, ose. Voilà. Ose, parce que il faut tenter des choses, parce que le singe, il va de branche en branche avec une vitesse énorme. À tout moment, il peut s'écrouler au sol, et pourtant, cette vitesse lui permet de prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et de passer d'être en mouvement. Voilà, c'est une carte aussi de communication, c'est une carte de famille, voilà, et d'amour partagé. Donc de belles choses que vos guides veulent que vous sachiez. Si vous avez choisi la pierre de la communauté, alors vous, c'est le faucon qui est mis sur votre chemin. Alors le faucon, on est encore hop, dans une carte de la communication. Le faucon, c'est le messager des dieux. Souvent, il est appelé comme ça. Donc finalement, vos guides veulent peut-être que vous sachiez que justement, vous êtes guidé, que justement, ils vous envoient des messages, mais qu'il faut savoir voir. Parce que le faucon a une très très bonne vision, il a un angle de vision énorme et il voit en perspective. C'est une carte qui peut aussi parler d'intuition, donc vos guides veulent peut-être vous dire... Fie-toi à ton intuition, fie-toi à tes rêves, hein, parce que à travers eux, on t'envoie des messages. Voilà, donc c'est une carte qui peut parler aussi de prémonition,
de ressentis. Et qui sont ces ressentis bien en phase hein, et qui en fait n'arrivent pas pour rien et n'arrivent pas tout seuls. Ils sont guidés, ces ressentis, cette intuition, ces messages dans les rêves, ces prémonitions. Voilà, donc au niveau spirituel, c'est un petit peu tout ça. Maintenant, cette carte aussi peut dire que vous allez être guidé dans ce que vous entreprenez. Elle peut vous conseiller de voir les choses de façon plus claire, d'observer les choses mieux, de voir plus clairement aussi son histoire, son passé. Hein, il y a peut-être des zones d'ombre à éclaircir sur son passé. De prendre bien le temps d'observer une situation avant de se prononcer, avant de prendre position. De comprendre les perspectives qui s'offrent à vous et les voilà les perspectives, les ressorts avant de vous affirmer, hein. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui est vraiment dans la perception des choses, dans le ressenti, dans les messages. Voilà pour vous, pour cette petite guidance de pleine lune qui est dans le signe de la Vierge. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!